pour faire cadrage et le lighting effect. Ligne même au moins une vingtaine de fois pour Premier ministre, quand Premier ministre plusieurs fois adresse-lui à la nation mauricienne. Ligne aller, ligne faire cadrage et lighting effects pour Premier ministre. Ça veut dire ce service retenu par plusieurs mandibouines. Voilà, il y a un prestataire, il offre ce prestation, lighting et cadrage à plusieurs compagnies, à plusieurs du monde. Et d'ailleurs, il y a du monde qui connaît, il y a un channel qui s'appelle Crazy TV. Et dans ce channel-là, ça a une vidéo humoristique qui lui fait là. Et il y a une équipe différente qui lui paye, qui fait filmer et qui fait le montage. Je pense que c'est très important pour connaître qui est Michel Beugloo. Il vient de donner sa déclaration. Il vient dans le bureau Striking Team. À 3h30 du matin, il donne ce statement. Je pose moi la question, moi je connais quand un monde peut penser qu'il a un problème à 3h30 du matin ou à 2h du matin, il y a dans ce station localité. Ou pas venir dans la caserne, ou venir devant la porte de la caserne, ou dire on vient aller au bureau, ou bien on vient rentrer dans le bureau Striking Team, parce qu'il là-bas, pas tout le temps qu'il y a du monde 24/7. Et il est important qu'il nous pose nous la question. Qui n'arrivait avant pour qu'il commande, il retrouve 3h30 dans le bureau Striking Team pour donner sa déclaration. À ce là moi, mon client, il n'a pas fait ni montage vidéo, ni filmé, ni ce travail, c'est faire cadrage après lighting effects. D'ailleurs, lui, pour Juan Maurice, quand Juan Maurice il fait quelques vidéos, il est venu. Il dit que tu as cadré, que tu as fait qui, la lumière là, tu as tiré, ce n'est pas ici, mais là-bas. Et M. Beugloo dit que mon client, il fait connaissance mon client quand il fait le lancement de cette vidéo. Et ça qui me trouve extrêmement choquant, à aucun moment, dans la déclaration et dans le statement de M. Beugloo, il dit qu'il est suspecté que moi, mon client, il peut faire montage moustache links. Alors qu'il nomme ban les autres du monde, il pas nomme mon client. Il deny en bloc, il dit pas que non est dans ces affaires là. Il est une victime collatérale des bandes grands du monde là-haut qui ont décidé aujourd'hui grand matin pour ban, enfin pour ban internet, ban plateforme social media. Eh bien, si elle bien prend des droits du monde pour les yeux du public, pour venir là, il a arrêté. Et aussi, il fait un search à 7h du matin, Côte-Li, à 1h30 de l'après-midi, Patianko connaît, qui s'en a pour prendre l'enquête, ça veut dire qu'il a 6h, il fait 10h de confrontation. Le bureau du Striking Team, pas tchanko connaît, et à un moment donné, je viens nous 1h30 pour amener la cour. Et après, je viens nous non, pas pour amener la cour. À ce là il prend décision pour transférer ce case au cybercrime. Alors que depuis grand matin, c'est une affaire aussi importante que ça, comme un insécure sur portable et ce laptop, tu as besoin de finir prendre lit, amener pour examiner ce laptop et examiner ce téléphone. Et aujourd'hui, la lenteur du processus, il fait qu'ils ont dit, Michel, là, il peut bien dormir dans le casseau, alors qu'il y en a une madame et qu'un enfant, 4 ans, qui peut demander. Mais seulement, aussi, tenir à remercier l'équipe Cybercrime qui prend sur l'enquête. Je ne fais un bon travail, ce droit, il respecte.